Ô oh Seigneur, notre Dieu, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce pour vraiment entendre ta parole ce matin. On veut vraiment, Seigneur, que tu rouvres nos cœurs à l'enseignement, que tu nous ouvres cœurs à ces vérités qu'on va parler. Toi seul, par ton Saint-Esprit, tu peux nous faire pénétrer cela profondément dans notre cœur. Qu'on ait un entendement, Seigneur, ce matin, entre ta parole et nos cœurs, qu'on puisse vraiment la saisir, la comprendre. Et Seigneur, c'est toi qui peux faire tout cela. Nous, on est vraiment tes serviteurs. On est là pour parler de ta parole, mais c'est toi qui fais tout dans nos vies. Seigneur, merci. Donne-nous un cœur ouvert. Et on veut vraiment, Seigneur, que tu nous transformes, que tu nous changes par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si le son est bon. Vous m'attendez? Oui, ça va? Ben, des salutations, mes bien-aimés, ce matin. Vous êtes en forme pour entendre cette parole. Vous savez, mon titre ce matin, c'est « Vivant pour Dieu ». Euh, c'est toujours fait suite, pareil, sur euh, la sanctification, euh, parce qu'on avait fini là-dessus l'année passée, là-dessus, mais on recommence cette année, mais on achève. Mais par contre, dans, quand je dis « par contre », c'est pas « par contre », c'est « ça fait partie de la sanctification ». On a chanté des beaux chants hein, ce matin pour disposer nos cœurs. Vraiment, là, Louis, c'était vraiment dedans. Fait que le verset que je veux vous parler ce matin, c'est Romains 6, 11. Ce verset-là, il mijote dans ma tête, il fait une semaine. Et puis, je veux vraiment l'approfondir ce matin, qu'on puisse avoir, qu'on sorte d'ici, là, puis qu'on puisse arriver chez nous, le prendre, puis le relire, puis le relire. Sans oublier les dix versets avant, puis sans oublier tous les autres versets après. Fait que <laughs> tout le chapitre 6 qu'on a lu ce matin, il est vraiment en rapport avec ça. Et moi, euh, vous dire, là, c'est un verset qu'on devrait, quand on est dans le trouble du péché, là, on devrait tout lire Romains 6, puis arrêter à 6, 11, qui nous rassure, qui nous donne vraiment la bonne perspective qu'on doit avoir. C'est écrit comme ceci: Ainsi, vous-même, regardez, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et dans la version Société biblique en français courant, de même, vous aussi, Considérez, donc c'est deux mots qu'on veut vraiment parler, regardez-vous et considérez-vous comme mort au péché comme, et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, sous l'inspiration de Dieu, Paul nous donne ici un impératif, un ordre, ce que nous devons faire absolument en tant que véritables chrétiens, nés nouveau, régénérés par le don de la grâce de Dieu, non seulement de le mettre en action, mais aussi de bien le comprendre, de bien le saisir, de le méditer constamment et de le réfléchir longuement. Je vais mettre tout de suite un point clair. Ce verset ne dit absolument pas que si nous sommes vivants pour Dieu, que nous ne péchons plus, puisque nous croyons que Christ est mort pour nos péchés. Et comprenez-moi bien. Nous nous disons que nous pouvons continuer, c'est ce qu'il dit. Il y en a qui disent ça, ils prennent ce verset. Nous nous disons que nous pouvons continuer à pécher et à vivre les convoitises de ce monde. Cela n'a pas d'importance. Nous avons juste à nous considérer morts au péché et vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ sans tenir compte de l'état de notre cœur tortué par-dessus tout. Et ça, c'est vraiment pas ce que ce verset dit. Parce qu'on a un cœur tortué par-dessus tout. Donc, avant de dire le verset 11, Paul y dit tous les versets qu'il a dit avant. Demain, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Paul a rappelé aux Romains, ainsi qu'à nous aujourd'hui. Hein, ces versets-là ont été pour écrire aux Romains, mais à nous, à, aux, aux autres aussi aujourd'hui. À partir de Romains 1, 6, 1, 1 à 10, que nous sommes morts au péché et que nous avons été ressuscités à une nouvelle vie en Christ. Et il attire notre attention sur la nécessité de nous défaire du vieil homme. Si vous avez écouté le 1 à 10, si vous avez lu, quand on a lu ça tantôt, à nous défaire de notre vieil homme qui a été crucifié avec Christ et de vivre maintenant notre nouvelle vie en Christ selon la plénitude de la justice de Christ et à sa loi. J'ai quelques questions pour vous, pour mettre en la table, là. on met ça sur table. Si nous avons. Réellement été libéré du péché en Christ? Pourquoi nous donne-t-il encore tant de faire à retordre? Si nous sommes maintenant saints devant Dieu, pourquoi notre vie est-elle si souvent marquée par l'impiété? Si nous sommes justes, en quoi notre vie pourrait-elle mieux manifester cette justice? Que signifie mort au péché et comment et comme vivant pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? On va tout voir ça. Pouvons-nous en tirer profit dans notre recherche de la sainteté? Est-ce que ça nous amène plus dans notre sainteté? Mon but, mon objectif, mes frères et sœurs, il est fort probable que nous n'apprécions guère de devoir lutter toute notre vie contre le péché. On n'aime pas ça. Mais plus nous nous rendons compte de la nécessité de ce combat, et plus nous l'acceptons mieux nous serons équipés pour l'affronter. On va toutes voir ces choses-là. Plus nous découvrons le pouvoir du péché qui habite en nous, moins nous en ressentons les effets. Et en découvrant la loi du péché qui s'exerce en nous, nous le détesterons et nous le combattrons davantage. En agissant ainsi, durant toute notre vie physique et dans notre marche avec Dieu, on va pouvoir affirmer avec conviction que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Fait suivez-moi jusqu'au bout. Puis s'il y a des questionnements qu'il y a des fois que vous virez de bout parce que j'ai dit des choses, je suis là à la fin d'une voix. Restez pas sur, euh, sur votre fin parce que des fois, on peut exprimer quelque chose, mais vous pouvez le prendre autrement. Et c'est bon qu'on qu puisse en parler. Et faites toujours ça hein, en passant. Donc, on va voir ça en trois points. Ce que nous devons savoir et croire pleinement. Il y a des choses qu'on doit savoir et croire. Deuxièmement, regardez et considérez votre état de cœur face au péché et à Dieu. Ça, c'est un deuxième point qu'on va voir. Puis, on va terminer, donnons-nous nous-mêmes à Dieu afin d'être vivants pour Dieu. Commençons par le premier point, ce que nous devons savoir et croire pleinement. Vous savez, pour saisir l'interprétation du verset 11, nous devons savoir et croire pleinement que ce que les dix premiers versets disent, afin de bien comprendre la vérité selon laquelle nous sommes spirituellement morts au péché et celle selon, selon laquelle nous sommes spirituellement vivants au Christ. Ça, ce pas des choses, des concepts abstraits, hein. c'est réel. Ce n'est pas quelque chose que notre esprit n'est pas capable de comprendre, on le comprend. Spirituellement, c'est Dieu seul qui peut vraiment nous donner la pleine connaissance de ces versets. Ce sont des vérités fondamentales et divinement révélées qui soutiennent la vie chrétienne, sans laquelle nous n'avons aucun espoir d'arriver à vivre la vie sainte que notre Seigneur exige de nous. Paul, quand il a écrit ces vérités-là de 1 à 10, il était conscient de l'importance des vérités qu'il a présentées et qu'il invoque vraiment le savoir, de savoir et de croire à quatre reprises. Par exemple, au verset 3. Il disait aux Romains, il disait aux chrétiens, ignorez-vous que tous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tous des versets profonds qui dit ce qu'il y a à dire. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Vivrons aussi avec lui. Et au verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous savez, la principale raison qu'il donne quant à l'obligation qu'ont les hommes de vivre en conformité avec ses normes est résumée dans un pierre. 1, 15, 16, qui est très important ici, c'est de comprendre vraiment, on a un but, c'est que nos vies soient sanctifiées, mais on a besoin de Dieu. Donc, 1, 15, 16, il dit ceci, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Paul vient de déclarer qu'en tant que chrétiens nous avons été unis à Jésus-Christ par sa mort et qu'en lui, la dette de nos péchés a été effacée. Nous sommes ressuscités avec nos, notre Seigneur Jésus-Christ par sa résurrection, et par conséquent, nous sommes capables, nous sommes capables de marcher en nouveauté de vie. Étant donné que Christ ne mourra jamais plus au péché, nous ne mourrons jamais plus au péché non plus. Grande vérité pour que nous puissions vivre notre nouvelle vie en Christ dans toute sa plénitude, pour que nous puissions vivre vraiment comme la nouvelle création que nous sommes devenus, nous les chrétiens, ça a l'air simple que ce que je vais vous dire, là, devons savoir ce qu'on vient de lire, tout le chapitre 6, et croire que nous ne sommes plus ce que nous étions. Non, il est est loin d'être évident, c'est loin d'être évident. On doit comprendre, nous devons comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs remodelés ou des mais des saints recréés. Nous devons comprendre que malgré notre lutte actuelle contre le péché, parce que celui qui nous dit qu'il ne lutte pas contre le péché, c'est un menteur parce que on, notre péché est accroché à nous, on va voir ça un peu plus loin. Nous ne sommes plus sous la tyrannie du péché et nous ne serons jamais plus non plus. Jamais non plus. Il est essentiel qu'on saisisse, que nous saisissons vraiment la réalité de notre nouvelle identité. Ça, c'est important. C'est pour ça que je parlais à ce point-là, c'est de croire, de savoir et croire. Il faut le savoir, premièrement. Car la connaissance, la connaissance des Écritures est le fondement de la mise en pratique. Si tu ne connais pas les Écritures, comment tu veux les mettre en pratique? Et là, Paul il veut dire, le Seigneur nous rappelle par la bouche dosée comment c'est important. Et c'est un point que je voulais vraiment souligner pour ça, parce que si on ne prend pas le temps de prendre la connaissance de ce que Dieu dit, on ne peut rien. Tous les versets qu'on a lus tantôt ne valent pas grand-chose. Et si Osée 4.6, il dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est important, c'est important. Malgré cette connaissance, mais malgré cette connaissance, nous réalisons que le péché continue de vivre en nous et que nous mettons des actions de guerre à travers les mauvais désirs et notre esprit mystifié. Des fois, vous n'êtes pas découragé. À moins que tous ceux qui sont ici ne pêchent plus, mais je ne pense pas. Je pense qu'on est encore prêt que le péché. Mais on a des bonnes nouvelles, ce que j'ai ce matin. C'est des bonnes nouvelles. Et Paul nous le dit très bien ici que lui-même. Il ne nous a rien caché. Là, celui qui a écrit tout le chapitre 6, celui qui l'a dit aux Romains, il l'a dit lui-même dans Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis. Au verset 24, qui me délivrera de ce corps de mort Des versets que vous connaissez très bien. Et. Parce que Paul, après avoir dit, Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, il dit aussi verset 25, et ça c'est celle-là qu'on doit retenir encore plus fort après avoir parlé de son état, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, c'est ce qu'on devrait être constamment, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Quelle vérité. Ils n'ont rien caché, les Écritures ne nous cachent rien. Paul savait très bien, très bien qu'il devait lutter toute sa vie contre le péché, mais il pouvait compter sur la puissance et la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il pouvait compter là-dessus. Pour expérimenter la sainteté dans notre vie quotidienne, il nous faut accepter, mes frères et sœurs, que Dieu, dans sa sagesse infinie, a estimé bon de permettre ce combat continuel. C'est lui qui le sait. Je vous l'ai dit, j'ai des bonnes nouvelles qui vont terminer ce message-là, mais il faut mettre le fondement. Tout comme Paul, c'est une réalité, il faut savoir, puis c'est ça qu'on dit ce matin, c'est quand on sait qu'on peut vraiment, on sait les écritures, on sait la vérité, qu'on peut avancer. Paul le savait. Tout comme Paul, nous savons que le Seigneur ne nous abandonne pas dans notre lutte solitaire. Savez-vous ça? Il est toujours là, il est toujours là, présent. On a une lutte, oui, mais Christ est là. Tout comme il nous a libérés du règne global du péché, ainsi il nous fournit toutes les ressources, on n'a aucune excuse, toutes les ressources nécessaires pour triompher des combats quotidiens contre le mal. Et cette affirmation nous amène au verset que nous étudions ce matin, sur lequel nous devons compter et que nous devons garder constamment à l'esprit. De même, vous aussi, considérez-vous, considérez-vous. Comme mort au péché, comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. On va tout voir le, le restant tantôt. Je veux juste mettre le fond. Je le répète. Dieu ne nous abandonne pas en territoire neutre. Il nous délivre du règne du péché pour nous placer où? Sous le règne de son Fils. Bien entendu, si on est sous son règne. Que nous soyons incapables de mener une vie sainte par nos propres forces, ça ne fait aucun doute. Celui qui dit qu'il est capable de vaincre avec ses propres forces, c'est comme dans Jean, il dit qu'il est un menteur. Parce que celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut vous partir pour le péché, ce pas ce que je parle. J'ai dit pour vaincre le péché, pour vivre une vie sainte par nos propres forces, on n'a aucun doute. La foi chrétienne n'est pas un débrouillez vous seul, puis Dieu n'a pas fait ça comme ça. Ce n'est pas de moi qui l'a fait. Notez bien l'attitude de l'apôtre Paul ici, dans Philippiens 4, 11-13. Et dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Mais ben, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et le petit verset qui suit, il est extrêmement important. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celle-là, il faut la retenir. Je puis tout. Paul peut tout passer au travers par celui qui me fortifie, qui est Christ, qui est le Père, qui est Dieu. Donc, Paul nous, a, nous dit qu'il a appris à être content, quelles que soient les circonstances, dans l'abondance et dans le besoin, dans le rassasiement et dans la faim. Il affirme pouvoir agir grâce au Christ qui lui en donne la force. Vous savez, cette attitude s'applique à la sainteté, car notre réaction face aux circonstances fait partie de notre nature vers elle. Vous savez, la, la sainteté ne consiste pas à une liste de prescriptions d'interdiction, mais à la conformité, c'est con, bien ce que je vous dis là, mais à la conformité au caractère de Dieu et à l'obéissance à sa volonté. C'est vraiment ça, c'est ça, la sainteté. C'est quand on voit le caractère de Dieu, on veut... On veut être conforme à son caractère, on veut obéir à sa volonté, on veut prendre la parole au mot on veut l'incruster dans notre cœur. Accepter pleinement la situation dans laquelle Dieu nous place est un élément indispensable dans notre marche dans la sainteté. Mais vous allez constater que Paul, vous constaterez plutôt que Paul dit qu'il réagit ainsi parce que Christ lui en a donné la force. Puis nous, quand on réussit et qu'on fait des victoires, c'est la cause de qui? De Christ. Paul reconnaissait pleinement que Dieu est capable de faire, par sa puissance qui a en nous, infiniment, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. Vraiment. Ça, là, tout ce que je viens de vous parler, c'est la première conséquence que nous devrions tirer du fait d'être vivants pour Dieu. Quand on reconnaît ces vérités, quand on les sait, quand on les met en pratique, on veut. On est vivant pour Dieu. Nous sommes unis à Celui qui est à l'œuvre en nous pour nous fortifier par Sa puissance infinie. Vous savez, on connaît tous les tous les, le sentiment de désespoir causé par la puissance du péché. Vous savez, là, quand on tombe, comment est-ce qu'on devient malheureux, combien de désespéré qu'on est. Tant et tant de fois, nous avons pris la décision de ne jamais céder à une certaine tentation, puis encore on tombe, même si ça fait des années. On est on est déçu. On est, on est pleinement triste. Puis là, le Satan il arrive à côté de toi, il vient souffler à ton oreille. Il voudrait mieux que tu renonces. Tu n'y arriveras jamais à surmonter ce péché. Ce péché ou les péchés, ou qu'importe, pas important. Il y en a toujours qui sont plus fatigants que d'autres. Puis lui, c'est l'accusateur. Vous savez, il est vrai que tout seul, nous n'y arriverons jamais, mes frères et sœurs. Mais nous sommes vivants pour Dieu. Vivant pour Dieu, uni à lui qui nous fortifie, comme il fait avec Paul, comme il a fait à vos apôtres, et comme il fait à tous ses enfants, en nous fondant sur la réalité de ce fait, nous recevons les forces nécessaires pour repousser cette tentation. C'est uniquement, mes frères et sœurs, en comptant sur ce double fait, mort au péché et à son règne sur moi, vivre pour Dieu en communion avec celui qui me fortifie, que je peux empêcher le péché de dominer mon corps mortel. C'est vraiment ça. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'on y croit fortement? J'ai peut être assez clair. Est-ce qu'on y croit vraiment tout ce qu'on vient de dire par rapport à un œuf que lui l'a vraiment en main? Compter sur ce double fait exige des efforts, mes frères. Et ça, c'est des efforts de tous les instants. Efforts qui consistent à prendre l'habitude d'avoir continuellement, continuellement conscience d'être mort au péché et vivant pour Dieu. Concrètement, il nous faut exercer notre foi dans la parole de Dieu pour résister aux avances et aux tentations de, du péché. Pas le choix, là. Si tu élimines la parole de Dieu, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas, parce que tu ne sais pas. Puis on va voir ça un peu plus profond dans le deuxième point. Nous comptons sur le fait que nous sommes vivants pour Dieu quand la foi, quand par la foi, plutôt, nous demandons au Christ la puissance dont nous avons besoin pour tenir ferme. Seigneur, délivre-moi de ce péché qui m'accable, qui m'écrase, qui me touffe. Mais je sais que tu as la puissance pour le faire. Ce que tu dis dans le verset tout le chapitre 6, ce que tu dis par la bouche de Paul, c'est tout à fait vrai. Mais seulement c'est pas juste abstrait, c'est vrai. Mais il faut toujours que cette foi, qu'est-ce que je viens de dire, s'appuie sur les faits. Dans Romains 6, 11, c'en est un. Il y en a d'autres versets comme ça qu'on peut s'appuyer, mais ça, c'en est un. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Est-ce que nous le savons et le croyons? C'est ça, c'est important. On va regarder maintenant. Regardez, parce que 20 versets-là, c'est celui-là que je veux ressortir. Regardez, considérez votre état de cœur face au péché à Dieu. C'est le plus, c'est très important. On ne fait pas ça assez souvent. C'est les autres. Tu sais, des fois, on en regarde, mais c'est l'autre. Il faut regarder, regarder, considérer. OK? Vous allez voir ce que je veux dire par là. Maintenant que nous savons, que nous croyons pleinement que nous sommes en Jésus-Christ, Paul dit « Regardez-vous ». Donc regarder signifie s'appliquer à observer, à compter ou à dénombrer quelque chose. Ici, la chose que l'on regarde, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Considérer signifie regarder attentivement l'état de notre cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, Jérémie 17,9 le cœur est torturé par-dessus tout. Donc, tout d'abord, regardons ensemble ce que nous sommes et ce que nous pensons vraiment par rapport au péché. Vous savez, on a beaucoup de difficultés à comprendre que nous ne possédons plus la nature déchue du péché et que notre nouvelle nature est réellement divine. Ce n'est pas évident de comprendre ça. Qui peut nous donner cette conviction-là? <laughs> Dieu seul. Et aussi, il n'est pas facile de réaliser que le Saint-Esprit habite véritablement en nous et que Dieu nous appelle maintenant ses enfants et nous juge dignes de vivre éternellement avec lui dans les cieux. Si vous ne sentez pas ça, à un moment donné, il dit Garde, il y a quelque chose, main. demandez le à Dieu. Criez à Dieu. <laughs> Criez, mettez-vous à genoux, faites-le. Maintenant, nous allons voir quelques raisons qui nous amènent à avoir de la difficulté à saisir que nous sommes vraiment libres de l'esclavage du péché. La première, beaucoup d'entre nous ne saisissent pas cette merveilleuse vérité tout simplement parce que nous ne l'avons jamais entendue. Il présume ou il leur a enseigné erronement, parce que c'est un faux enseignement, que le salut ne procure qu'une sainteté transitionnelle ou légale, qu'en raison de leur foi en Christ, Dieu les regarde maintenant comme étant saints, mais que leur rapport fondamental avec le péché est le même que celui qui était, qu'il a toujours été et qu'il ne changera pas. Autrement dit, tu peux rester pécheur, ça c'est pas grave. Maintenant, tu es sauvé par Christ, quand tu vas être Né nouveau. Dire, quand tu vas être transformé, puis Christ va revenir, mais là, tu vas tout avoir. Mais ça, c'est faux. Il euh, ne faut pas s'arrêter là. Il y a vraiment Dieu qui travaille vraiment dans nos cœurs. Il vient vraiment nous changer. Il nous régénère. Il nous transforme. Il nous fait sentir le péché. La deuxième raison pour laquelle nous avons souvent de la difficulté à croire que nous sommes bel et bien de la tyrannie du péché, c'est que Satan ne veut pas que nous les croyons. Il ne veut pas que tu crois ça. Si l'ennemi de notre âme et l'accusateur des frères peut réussir à nous faire croire qu'il domine encore notre vie terrestre, il affaiblit ainsi notre détermination à vivre une vie de justice et à nous, en nous le faisant paraître impossible. Ça, c'est l'ennemi. Mais ça, c'est encore une affaire qu'on qu ne doit pas tenir compte. Bien dire d'en tenir compte, de voir que c'est ça ce qui arrive. Troisième raison pour laquelle nous avons de la difficulté à croire que nous sommes libres du désir compulsif ou du désir irrésistible du péché, c'est que la réalité de la nouvelle naissance en Christ n'est pas fondée sur l'expérience humaine. Nous ne pouvons pas l'observer ni la vérifier dans le monde physique. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais la régénération, c'est une œuvre de Dieu, puis on ne peut pas le quantifier, le voir de nos yeux humains. Seul Dieu peut vous donner cette conviction que vous avez été régénéré, touché par sa grâce. Vous avez vous changez complètement. La rédemption est une transaction divine et spirituelle. Attendez pas de voir ça de vos yeux. Tu peux avoir des effets, mais ça peut être très trompeur. Quand le Seigneur touche ton cœur, tu changes. Tu es transformé. Tu es vraiment transformé. Tu n'as plus de goût de péché. La quatrième raison est peut-être la plus courante pour laquelle nous avons souvent la difficulté à croire que nous sommes libres de la tyrannie du péché, même si nous voulons encore ici-bas. C'est que notre lutte perpétuelle contre le péché semble contredire presque continuellement cette vérité. Parce qu'il dit bien oui, mais là, je pêche tout le terme, ça ne veut pas dire que je ne suis pas né de nouveau, ça veut dire que je n'ai pas été régénéré. Bien, la nouvelle, mes frères et sœurs, c'est qu'on va pécher encore. Mais on est plus sensible au péché. On est très sensible au péché, pas qu'un peu, très sensible au péché. La réponse que Paul donne est justement dans Romains 6, 11. Vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il ne parle pas ici de jouer au plus fin ou en affirmant quelque chose à répétition jusqu'à nous convaincre de la validité de ce verset. Frères et sœurs, nous savons que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ parce que la parole de Dieu l'affirme. C'est aussi simple que ça. Il l'affirme. Autrement, il s'agit ici de vérités qui doivent être déclarées par la foi. Frères et sœurs, Dieu nous a équipés parfaitement pour que nous puissions regarder et considérer attentivement l'état de notre cœur devant l'Éternel. J'arrive dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, puis partez avec ça. Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui habite en nous. À vrai dire. Ce n'est pas un second résultat, mais une autre façon de considérer notre union avec Christ, car l'Esprit Saint est l'agent de cette union. Quand on parle de Christ, on parle du Saint-Esprit, de Dieu, c'est trois dans un. C'est lui qui suscite la vie spirituelle et qui nous donne la force de l'amener. C'est lui qui, qui œuvre en nous pour que nous prenions des décisions et que nous agissions conformément aux bienfaisances, aux bienveillants desseins de Dieu. Paul dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens 4, 7, 8, il dit « En effet, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons impurs, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette ses instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui, qui vous donne son Saint-Esprit. » Faire ressort, le Saint-Esprit, il est là, il est présent. Paul fait donc le lien entre l'effusion de l'Esprit et la vie sainte que nous devons mener. L'Esprit est appelé saint. Il nous envoie essentiellement pour nous rendre saints, conformes conforme au caractère de Dieu. Ben oui, c'est trois dans un. Le lien entre l'Esprit Saint et la vie sainte est aussi établi dans d'autres passages. Par exemple, les Écritures nous recommandent de fuir la débauche, car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Les Écritures nous disent que nous sommes aussi sous contrôle, non pas de notre nature pécheresse, mais de l'Esprit. Si du moins vous avez l'Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous, habite en nous. Marchez sous l'impulsion de l'Esprit, vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Galates 5, 16. Pourquoi faut-il que l'Esprit Saint demeure en nous pour nous aider à devenir saints? Pourquoi? C'est parce que nous sommes vivants pour Dieu. <laughs> Morts au péché, mais vivants pour Dieu. Nous vivons présentement sous le règne de Dieu qui unit au Christ, qui nous unit, qui nous donne son esprit qui habite en nous. Est-ce qu'on y croit? L'esprit saint nous fortifie pour la sainteté. Tout d'abord en nous rendant capables de reconnaître notre besoin de sainteté. Il éclaire notre âme pour que nous commencions à entrevoir les normes, les normes de la sainteté divine. Puis il met le doigt sur le péché ou les péchés précis de notre vie. Vous savez, l'une des armes les plus efficaces de Satan, c'est de nous rendre spirituellement aveugles. Incapable de voir le péché en nous. La Bible le dit dans Jérémie 17, 9 le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et là, il est méchant. Qui peut le connaître Personne ne peut comprendre et mettre à nu le cœur de l'homme si ce n'est l'Esprit-Saint. Personne. C'est l'Esprit-Saint qui nous donne, qui nous montre notre cœur méchant. Mais les véritables chrétiens qui acceptent les enseignements de la Bible peuvent se tromper sur leur péché personnel. Même les chrétiens qui se longtemps. Nous avons parfois l'impression de donner, que donner son approbation à un enseignement de la Bible et qu'il va obéir. Non. Nous retirons parfois une application pratique d'un sermon où nous faisons une découverte concrète à travers notre étude personnelle de la Bible et nous disons, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une chose que je devrais mettre en pratique. On s'arrête là. Tout simplement. Mais nous en restons là, mais Jacques, il dit, déclare qu'en agissant ainsi, nous nous trompons nous-mêmes. Dans Jean, Jacques 1, 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Plus nous grandissons dans la vie chrétienne, plus nous courons le risque de l'orgueil spirituel. Ça, là, j'ai passé dans toutes les années de vie des périodes comme ça, dans l'orgueil spirituel. Nous connaissons les bonnes doctrines, les méthodes appropriées, les règles à suivre, mais nous risquons de ne pas remarquer la pauvreté de notre spiritualité. La pauvreté, notre esprit critique, notre refus de pardonner, notre attitude de médisance ou notre tendance à juger autrui. C'est pas des péchés, ça? Mais on est aveugle. C'est pour ça que ce verset-là prend son sens. Regardez-vous! considérez-vous que vous êtes mort au péché hein? et comme vivant en Christ. On vit en Christ, mais on est mort au péché, mais il faut être vigilant. Nous risquons également de ressembler au laodicien, laodicien. Dans le Seigneur, il dit Apocalypse 3, 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, Pauvre, aveugles et nu. Il ne les ménage pas, là, parce que Christ, est ce le Seigneur qui a jugé cette Église. Telle est la situation aussi de David. Un bel exemple que je voulais vous donner. David, comme quand, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba. Si vous voulez le lire, 2 Samuel 12, versets 1 à 13, et qu'il a assassiné le mari de cette femme pour camoufler son premier péché. Se repent-il? Est-ce qu'il se repent, David? Ses actes ignobles l'ont-ils humilié La réponse est absolument pas, absolument pas. En fait, il est même prêt à condamner et à faire exécuter un autre homme pour un crime moins grave que lui. Comment peut-il agir ainsi Comment il peut faire Parce qu'il est spirituellement aveugle. Vous savez, mes frères et sœurs, parfois dans notre vie chrétienne, on marche puis on est spirituellement aveugle. On est comme pas à David. On est comme David. Il ne pourra se rendre compte de toute l'horreur de son crime que lorsque le prophète Nathan lui dira, tu es cet homme-là, tu es cet homme-là, mon homme. Quand le prophète Nathan le fait, puis des fois on regarde la parole de Dieu, on écoute la prédication, parfois Dieu nous parle comme ça. Tu es cet homme-là, tu es cette femme-là. C'est justement le travail de l'Esprit Saint de nous montrer que nous sommes pauvres à cause de nos péchés. C'est lui qui vient nous dire, tu es. C'est qui vient nous dire, tu es cet homme-là. Écoutez, il faut le prendre. Hein? Même si ce message nous est adressé par un frère en Christ qui nous aime et qui veut notre bien, c'est l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, qui nous permet de l'accepter et de répondre exactement comme David. J'ai péché contre toi. Il n'a pas commencé à dire, hey, toi, là, Nathan, on va attendre de là. là? Moi, c'est mon affaire. Là. Non, non. suite, il y a eu une réaction. L'Esprit Saint, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. C'est l'Esprit qui rouvre les recoins cachés de notre cœur, mes frères et sœurs, qui nous permet de voir la fange, le vrai visage qu'on a. C'est là qu'il commence son ministère en vue de nous rendre saints. Est-ce que, mes frères et sœurs, nous écoutons la voix de l'Esprit Saint quand il nous parle? Est-ce qu'on l'écoute? On peut dire, oh, plus tard. Non, mais l'Esprit Saint nous parle. Si on lit les Écritures, bien sûr. La conséquence naturelle de la vision simultanée des normes divines et de notre nature pécheresse, c'est l'éveil en nous du désir d'être saint. Nous regrettons nos péchés, nous éprouvons une tristesse selon Dieu qui produit une repentance, qui produit un repentir. De Corinthiens 7.10, il dit ceci, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, donc on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Nous disons avec David, Lave-moi à grande eau à ma faute, purifie-moi de mon péché, ôte mon péché avec l'isop, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Ça dans le psaume 51, 4 et 9. C'est ça qu'on doit avoir l'attitude. Paul déclare, C'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Mais avant d'agir, il nous faut vouloir. Mais avant d'agir, il nous faut vouloir. Vouloir sous-entend un désir, une résolution, que l'Esprit-Saint nous réveille quand l'Esprit Saint nous révèle notre péché. Il ne le fait pas pour nous pousser au désespoir, pour nous, mais c'est pour nous amener à la sainteté. C'est le but. Ce n'est pas un fardeau, mes frères et c'est Ça se fait à longueur de notre vie. Ça peut prendre 40 ans, 50 ans, ce n'est pas grave. Mais c'est en réussis à en vainqueur par le Saint-Esprit qui t'aide à vaincre ce péché. C'est un, une victoire. Il le fait en suscitant nous une aide. On finit par haïr le péché et à désirer la sainteté. Seul celui qui aspire abdemment à être saint sera, persé sera persévéré dans cette tâche douloureuse, lente, difficile de croître en sainteté. Mais croyez-vous? Je ne sais pas comment on en a que ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Là. Ça fait des années qu'ils marchent avec Dieu. Mais on a toujours ce, ce, ce péché-là qui est accroché à notre corps mortel. Pas notre âme. Les habitudes de notre ancienne nature, les attaques de Satan sont trop fortes, et nous découragent, à moins que l'Esprit Saint ne soit à l'œuvre en nous pour nous faire aspirer à la sainteté. Pour réaliser le verset de Romains 6, 11. Regardez, soyez morts au péché et comme vivants pour Dieu. L'Esprit suscite ce désir non seulement en nous montrant nos péchés, mais en nous révélant les normes de sainteté de Dieu à travers les Écritures. Quand nous lisons, étudions les Écritures, sommes nous sommes-nous fascinés, mes frères et sœurs, de la beauté de ces normes? Ah, non, je ne peux pas. Oui, mais il nous révèle notre cœur. Il nous révèle notre cœur. Vraiment, est-ce qu'on trouve ça, Seigneur? Merci. Merci, je viens de voir un de mes plus grands péchés ou un des péchés que, qui craint. Même si elles nous paraissent hors de portée, nous nous sentons en accord profond avec ce qui est saint, juste et bon. Mais même si nous échouons sans arrêt, nous prenons plaisir à la loi de Dieu à la lire selon l'homme intérieur. Seigneur, montre-moi qui je suis. Il nous faut faire la différence entre ce que Dieu accomplit et ce que nous devons faire nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a une action à faire. Si l'Esprit utilise les Écritures pour nous montrer notre dénouement ou pour stimuler en nous le désir de la sainteté, il en découle que nous devons nous plonger régulièrement dans la parole de Dieu. Il faut que nous l'écoutions quand elle est prêchée, quand nous l'étudions nous-mêmes, en priant que l'Esprit sonde nos cœurs pour y découvrir le moindre péché qui s'y cache. C'est ça cette semaine-là. À ben, tous les jours de votre vie, là. Jusqu'au autour de Jésus-Christ. Une fois que l'Esprit Saint nous a révélé notre besoin et a créé en nous un désir de sainteté, il lui reste une autre tâche à accomplir. Il faut qu'il nous donne la force spirituelle de mener cette vie sainte. Puis il nous la donne. Parce que dans Galates 116, je le répète, marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Quand nous sommes morts au péché vivant pour Dieu en Jésus-Christ, c'est parce que nous vivons par l'Esprit. Et en fait, c'est vivre à la fois dans l'obéissance et dans la dépendance de l'Esprit Saint. Complètement. Si nous cherchons effectivement à vivre dans le royaume de l'Esprit, il faut que nous nourrissions notre âme, notre esprit de sa vérité. C'est de l'hypocrisie que de prier pour la victoire de nos péchés tout en négligeant de prendre notre ration quotidienne pour la, dans la parole de Dieu parce que. Il ne peut pas te révéler tes péchés, il ne peut pas te révéler ton âme, la, la chose que les gens ne voient pas. Il faut que nous approchions de la parole avec un esprit d'humilité et de contrition en reconnaissant que nous sommes vraiment pécheurs encore, mais sauvés par Christ parce qu'on est comme mort au péché, et, mais et comme vivant pour Dieu, qui souvent. Nous ne nous en rendons pas compte et nous avons besoin d'être éclairés, mes frères et sœurs. On a toujours besoin d'être éclairés et fortifiés par l'Esprit-Saint afin de regarder et considérer l'état de notre cœur. Est-ce que vous l'avez bien saisi? Est-ce que ça va? Le deuxième point que je viens de finir. Regardez et considérer l'état de votre cœur, mes frères et sœurs. Maintenant, donnons-nous nous-mêmes à Dieu afin d'être vivants pour Dieu. Parce que là, Paul, il a parlé de ce verset-là, 11, mais le verset, 12 à 14. Que le péché ne règne. Si tu as fait là les deux premiers, là, tout ce que vous venez d'entendre, le premier puis le deuxième, on est convaincu, on le sait, on est convaincu, mais en même temps, on a tout considéré l'état de notre cœur. Mais le troisième là, qu'est-ce qu'on fait Les versets là, 12 à 14. Mais que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas, pas, à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Une chance connaît cette grâce. Hein? <laughs> Compte tenu des vérités insaisissables de la relation avec Dieu que nous connaissons par son esprit, et à laquelle nous sommes profondément consacrés dans nos cœurs, nous sommes donc en mesure maintenant d'exercer notre volonté pour rejeter le péché. Le Saint-Esprit qui nous a, on les rejette les péchés avec succès et par la puissance de Dieu de veiller à ce que le péché, il faut veiller à ce que le péché ne règne plus, ne règne point dans nos corps mortels. Dans la vie ici-bas, si le péché sera toujours une force puissante contre laquelle le chrétien devra lutter. Ne pas, ça va toujours rester jusqu'au retour de Christ, jusqu'à votre transformation. Et, mais il ne règne plus en Seigneur et Maître. C'est ça la différence. Et nous pouvons et devons lui résister. On n'est plus. OK? On y arrive. Donc, Paul compare le péché à un monarque détrôné, mais encore puissant qui est déterminé à régner dans nos vies. Satan ne lâchera pas de main dans nos vies chrétiens, exactement comme il faisait avant que nous soyons sauvés. Mais Paul aussi nous exhorte à faire en sorte que le péché ne règne point. Du fait qu'il n'y a plus le droit. Il ne peut plus régner. Il n'y a plus le pouvoir de pouvoir de nous contrôler, à moins qu'on choisisse d'obéir à ses convoitises. Si on choisit d'obéir à ses convoitises, on a une volonté encore. Mais quand tu es avec la parole de Dieu, quand tu es régénéré, cette volonté-là vient de plus en plus ferme à rejeter le péché. C'est notre corps mortel. Je veux dire notre corps mortel, oui. Donc, Pierre fait ici d'ailleurs une exhortation comparable à celle de Paul Il dit d'abord, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pour ajouter ensuite, bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des combattants charnels qui font la guerre à l'âme. Ça, c'est 1 Pierre 2, 9 et verset 11. Dès l'instant où nous sommes sauvés, mes frères et sœurs. Nous devenons citoyens du royaume, citoyens du royaume de justice de Dieu, donc étrangers au royaume de péché et de mort de Satan. Étant donné que nous sommes une nouvelle créature en Christ, notre âme immortelle est à jamais au-delà de la portée du péché. Il ne faut pas toucher à ça. La seule tête de pont qui reste où le péché peut nous attaquer, c'est notre corps mortel. On a un corps mortel, hein? on va mourir, vous savez ça? Il ne faut pas nier ça, on va mourir. Donc, un jour, notre corps sera glorifié. Oui, il va être glorifié. Il n'y a jamais hors d'atteinte du péché. Mais entre-temps, il reste mortel, c'est-à-dire à la corruption et à la mort. Notre corps vit donc encore des convoitises, du fait que le cerveau et les processus mentaux font partie intégrante du corps mortel. Satan, lui, se sert de ces convoitises pour attirer de toutes les manières possibles, les enfants de Dieu de nouveau dans le péché. Parce que c'est écrit dans Corinthiens, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous savez, c'est parce que nos corps mortels sont encore sujets au péché que Paul déclare quelque chose ici, qui est très, très clair. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Il ne nous indique pas ici que le péché règne dans notre âme ou notre esprit, mais uniquement qu'il règne dans notre corps, étant donné qu'il n'y a que là que le péché peut opérer chez le chrétien. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et en même temps, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Il est évident que le péché peut régner dans notre corps, sans quoi l'exhortation de Paul serait absolument futile ou superficielle. C'est sûr, mais il est aussi évident que le péché n'est pas tenu d'Iranien. C'est aussi, il l'enseigne. Sans quoi la mise en garde de Paul sera aussi futile ou superficielle. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est clair, il faut juste le savoir. Vraiment. J'achève mes frères et sœurs en effet. Voilà donc maintenant, voilà. Voilà donc pourquoi le commandement, il donne un commandement suivant Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, par définition, le commandement présuppose une volonté chez celui qui le reçoit. Or, les commandements que renferme la parole de Dieu ne font pas exception à la règle. C'est donc un, au sujet de la volonté du chrétien que Paul nous parle ici. Pour qu'un péché exerce du pouvoir sur un enfant de Dieu, ce péché doit d'abord triompher de cette volonté. Est-ce qu'on comprend? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Paul exhortera les croyants ici, ainsi mes bien-aimés. Dans Philippiens 2 12-13, vous avez toujours obéi. Puis il dit mettez en œuvre on a prêché là-dessus loquet là, comme moi. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il est vrai que la volonté de Dieu ne peut être active dans notre vie. Je le dis bien tranquillement. Il est vrai que la volonté de Dieu ne peut être active dans notre vie que si notre volonté est soumise à la sienne. Comprenez-vous? C'est trop compliqué ça? Non? Il faut que notre volonté soit soumise à celle de Dieu. Vraiment. Et c'est là qu'on devient vivant pour Dieu. Lorsque nous donnons nos membres au péché, ces derniers deviennent les instruments d'iniquité. Par contre, si par obéissance à notre Père Céleste, nous nous abandonnons comme quelqu'un qui est vivant pour Dieu, de mort que nous étions dans le péché et la mort, nos mêmes, nos mêmes membres deviennent des instruments de justice. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Ça, c est, c est, c est. Dans le verset 14, il dit ceci Paul passe à l'exhortation à la déclaration en offrant les paroles convaincantes que voici et c'est là que le plus beau verset quand il est 11 12 13 et 14 car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce quelle grande vérité qu'on a parlé ce matin c'est peut-être pas évident dans tout ça mais vous savez la loi de Dieu est sainte et le commandement est saint juste et bon c'est vrai mais la loi ne peut ni acquitter la dette du péché ni en annuler le pouvoir elle est La loi, elle ne peut que corriger, restreindre et condamner. C'est ce qu'a fait la loi. Ça ne peut se légaliser. Or, nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi de Dieu, mais désormais sous la puissante rédemptrice de la grâce de Dieu. C'est là-dessus qu'on va faire terminer là-dessus. Mes frères et sœurs, c'est justement selon la puissance de cette grâce que le Seigneur nous appelle à vivre. S'il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui n'ont pas, pas été chères. En tout cas, venez nous voir après. On va prier pour clore euh, cet enseignement et que Dieu nous bénisse en toutes choses, les frères et sœurs. Prions. <coughs> Seigneur notre Dieu, le, le sujet du péché. Toi seul, toi seul, Seigneur, peux venir à notre secours. Toi seul peux nous détourner du mal, toi seul peux nous aider à vivre une vie sainte. Mais Seigneur, il faut qu'on se regarde, il faut qu'on regarde avec honnêteté, intégrité tes préceptes, tes normes, tes Écritures, ta loi, puis qu'on puisse les appliquer dans notre vie. C'est la seule façon, Seigneur, de voir vraiment comment on peut vaincre le péché dans ce corps mortel. Oui, on est libéré du péché. Vraiment par ton esprit, ça c'est clair, c'est précis, lorsque tu nous as régénérés, on n'a même plus le goût de péché. Mais Seigneur, notre prière ce matin, viens à notre secours, aide-nous à toujours être des, des disciples qui recherchent constamment ta parole, qui recherchent constamment tes normes, ta vérité, ta volonté, afin justement de persévérer jusqu'à la fin et de ne pas tomber justement dans le péché de notre corps mortel. Seigneur, merci pour ce temps, puis on te remet vraiment tout cela dans tes mains, puis bénis-nous. En toute chose, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.